Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Brotato. On est toujours avec Chobiti, salut Chobiti. Salut le Singh, salut tout le monde. Et on va recommencer carrément avec le roi et la créature. Et cette fois-ci, on ne prend pas d'objets qui ne te servent à rien et qui te prennent de la vie. De la vie, des dégâts, de la vitesse. Fais attention. Bah, l'avantage au moins c'est que le... Comment ça s'appelle? Les trucs qui te baissent ta vitesse et tout, c'est les armes quoi. Donc les armes au moins tu peux les améliorer. Est-ce que je prends les arbres? Les arbres, je pense que c'est légitime. Je pense que c'est worth it, ouais. Le reste, non mais... Pareil, ça c'est intéressant, mais est-ce que c'est suffisamment intéressant pour les... Bah tu perds 2 PV, et tu en gagnes 1 de plus en ramassant des consommables, donc... C'est toi qui choise. Allez, je prends. J'accepte quelques sacrifices. Mourir, écrevisse maudite. Dit celle qui vient de dire il y a 5 minutes qu'il fallait pas qu'elle prenne d'objets à la con. Bah, y a objets à la con et y a objets qui vont te permettre de gagner des trucs, quoi. Deux coups de bouclier pour tuer un homard. Je prends. Des dégâts en mêlée, on est d'accord que ça matche pas sur la mêlée. Hein. Ça sert à rien, en vrai. Par contre, un peu de chance. Ça c'est nul. Ça c'est nul. Maintenant ça fait quoi déjà? Tu ramasses des consommables sans avoir perdu de vie. Ouais. Je... C'est pas trop tron trip non plus. Par contre le bébé éléphant il peut alors le coup je pense. Ouais en plus ça donne de... Enfin c'est basé sur la chance. Ah oui c'est pour ça. Allez. Je crois que si t'en prends plusieurs du coup t'auras plus le malus. Donc... Ah je suis pas sûr non. Non, je crois qu'il y avait un truc comme quoi ça se cumulait pas, mais... Ah oui, oui, je veux dire, j'aurai le malus qu'une fois. Oui, t'auras le malus qu'une fois. Oui, bah il va pas disparaître là-dessus. Bah t'as dit que t'auras plus le malus. Certes. Moi, je comprends ce que tu dis, hein. Bon, ça t'arrange. Mon cerveau n'a pas augmenté capacité, la preuve, je suis morte. D'abord, c'est la fin de la... Là, je suis morte. Bon, on va prendre un peu de PV. Ah, oh, mais allez, là, faut maudire les trucs, là. Allez, donnez-moi du niveau plus. Ça me... brise les cacahuètes, là. C'est un peu tôt, encore. Ah, bah, du coup, la limonade, c'est worth it de reprendre une. Ouais. Finir par le prendre ce lutin. Bah oui. Après ça augmente de 1% à tes dégâts et tout, mais c'est pas non plus ouf quoi. Pour le coup, autant le malus de PV il fait mal, autant ça va quoi je trouve. Sachant que de toute façon c'est que temporaire en plus. Oui, et puis tu peux facilement recycler ton arme alors que tes objets tu peux pas quoi. Ouais. J'ai cuit PV, putain. Ben. Mais décepte toi, hein, sale bête. Oui. Oh les arbres, ils pop là où il y a du monde. Ah je crois qu'il sait le tuer quoi. Charbon. Bah non, je comprends pas. Ça régène un peu. Ah le bébé éléphant il est maudit. Parfait, le gâteau. Ah l'usine de poche. Ouais ça c'est pas mal, en plus du coup c'est du bleu. Faut pas la prendre du coup mais... Faut pas la tuer. C'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, ok. La chirurgie des yeux, j'ai rien qui fait des dégâts de... Non. C'est ouf, hein, c'est compliqué. Ah bah oui, il est compliqué le roi. Hein.
deux, il y a un tour à la screen. Ça arrive à tuer l'arbre. Enfin, il y a plein de maudits partout, quoi. Il est impossible de les tuer. Donc c'est pas la peine de se focus dessus. On va essayer de s'occuper de ceux qui font des dégâts. Et qui me donnent de l'XP. Plus d'armes là, pour arrêter les bêtises. Il nous faut plus d'armes, donc on va prendre la lance de joute, tant pis. Bon. Ah. Nul, nul. Ah, c'est pareil, les claques corrompues. Ah bah non, ouais, ça vaut pas le coup, je pense, pour le coup. Enfin, à moins que tu comptes jouer malédiction, mais... Non, je compte... Oui, t'as raison, avec je compte pas pour jouer malédiction. 3% de dégâts pour 2 PV en moins. C'est mal, hein. Ouais, surtout que mes PV, j'en ai toujours que 7, hein. Bah ouais, ils montent pas, du coup. Ok, on va essayer de faire un peu plus de dégâts maintenant qu'on a une deuxième arme. Si, c'est... j'ai que 7 PV, quoi. Ah bah avec le roi, ouais, tu joues sur du PV bas. Hein. Ah, je suis tombé. T'es tombé, t'es morte? Oui. 15. Et gagné. 5. Ok, 25 de taille d'explosion. Bon, j'en ai qui explose, ça ne sert à rien. De la chance, ça c'est bien par contre. Ouais, ou les PV, non? Oui, bah oui, les PV, je sais bien. 3 je... PV, ça te permet de quand même prendre un objet bas, quoi. Oui, je sais bien, je sais bien. Je sais bien. D'accord, bah si tu sais bien, tout va bien. Faut juste survivre aux différentes vagues où il y a d'autres objectifs. Non, non, c'est complètement l'objectif, Sobeka, c'est du bullet L. Enfin, j'appelle ça du bullet L, même s'il n'y a pas vraiment de tempête de balles, mais... t'as un monsieur patate qui, de vague en vague, va être transformé par les objets que tu prends, et tu dois survivre jusqu'à la vague 20 minimum. Vague 20, il y a un boss. Et si t'arrives à tuer le boss, t'as des bonus, et après tu peux choisir de continuer si tu veux, après la vague 20, jusqu'à ce que tu meurs. Mais non, non, l'objectif c'est de tenir les vagues. Et de construire un build qui te permet de tenir ça. Pour l'instant on galère un peu sur... ça c'est la nouvelle carte du DLC. Et on a un petit peu de mal, j'avoue. On n'a encore jamais vu le boss. Ça zoom sur moi, c'est que t'as décédé, ouais. Donc quelques XP quand même aussi. 10. 5. Ok, ça passe. GG. De l'escargot, ouais, pourquoi pas. De la portée, on en est où sur la portée là? 59, ouais, bah, tout le reste est pas ouf, donc on va prendre ça. Ah, un bouclier. Allez, faut me maudire des choses, là. On va prendre ça. Faut que t'arrives à me maudire des trucs, petit hameçon. Parce que là, c'est un peu la loose. L'armure, c'est vrai que c'est tentant, mais... Il faudra que tu la boostes, quoi. Bah ouais. Bah, je vais prendre l'usine. Tous les objets sont débloqués dans le début, où il y a des prérequis pour les avoir. Et alors, il y a des objets que tu débloques qui sont spécifiques au perso. Il y a pas mal de persos, je te montrerai bah, quand on recommencera. Mais quand tu réussis la vague 20 avec un perso, tu débloques l'objet qui lui est lié. Et après, tous les objets sont disponibles techniquement, mais ça joue sur ta chance en fait. Tu as une caractéristique de chance qui fait que tu as plus de chances d'avoir des objets rares, donc de couleurs rares, classiques. Et après, tu as des objets uniques qui peuvent apparaître que dans certaines conditions.
Et plus t'arrives dans les vagues, plus tu montes dans les vagues, plus t'as de chances d'avoir des objets rares aussi, même si t'as peu de ch même si tu montes pas ta statistique de chance. Mais globalement, les succès du type atteindre la vague bidule ou éliminer X ennemis ou marcher pendant tant de pas, ça te débloque plutôt des persos. Bah, et puis globalement, quand tu gagnes avec un perso, tu débloques des choses qui sont relatives au perso. Ah bah, c'est ce que je disais, que tu débloques son objet. Alors après, il y a à boire et à manger dans les objets. Hein. Des fois, il y a des trucs qui sont bien pourraves, d'autres qui sont hyper forts. Et globalement, tous les objets sont utiles dans certains builds, quoi. C'est vraiment une histoire de choisir les objets que tu prends, parce que la plupart des objets te donnent un malus et un bonus. C'est très rare les objets qui donnent que des bonus. Et donc du coup, il faut construire ton build autour de ce que tu fais et de comment tu le fais, quoi. Mais c'est franchement assez plaisant. Hein. Enfin, nous, on a beaucoup joué. Quand il est sorti, il se jouait qu'en solo avec Chobiti. On jouait, on alternait qui jouait. Et puis, celui qui était à côté, il disait, tiens, il y a un arbre à droite, il y a un de quoi te soigner à gauche, etc. C'était assez sympa déjà. On l'a bien, bien torché déjà à cette époque-là. Et maintenant qu'on peut jouer en multi, ouais, là, du coup, on s'amuse pas mal, quoi. Un vol de vie, hein, un petit 6% de vol de vie, ça peut être rentable. Hein. Dent pointue, allez, on compte un autre, le drapeau noir. Un de matériaux, est-ce que vous tuez un ennemi maudit? 10% d'ennemis, 10% de santé des ennemis, ouais, on peut prendre. C'était ça, ouais, Sobeka, le second joueur, c'était le copilote, ouais, complètement. C'est to totalement la thématique. C'est le retour des chevelus. Ouais, le retour des neufs, de la neuf. On l'a tué avant qu'il fasse quoi que ce soit, ça c'est bien, là, c'est Je bon crois point. qu'il a pondu un œuf et qu'on l'a eu aussi. On l'a eu aussi l'œuf, écoute, c'est ce qui compte. Tant qu'ils réapparaissent pas, il y en a un qui réapparaît à gauche. Ah mais t'es Je morte. suis morte. Ah ouais, alors ça c'est pas cool de mourir sur cette Je suis désolée, il est 30. Je me suis perdue entre toi et moi, il y a des moments je... Ouais, du coup il commence à y avoir les gros tas là. 20. Ouais, tu vois, quand on est en coop, là, s'il y en a un qui meurt, il peut plus rien faire, il accumule plus rien, bien sûr. Mais si le deuxième arrive à survivre, et ben du coup, tu repars, tu reviens à la vie, quoi. 10, ça peut peut-être le faire, mais je peux pas buter les armes, je peux pas m'arrêter. Ok, ça passe. GG! Tyler, oh, il est gratuit, on va le prendre. Un peu d'armure, ça peut être bien, oui. Bah de l'armure, hein, pareil. Ah, le drapeau noir, il a proqué. Ça, non. Non. Je vais finir par l'enlever, mon luth tout pourri, là. On va prendre ça. Tac. Ouais, c'est cool. Après, c'est dur hein, de survivre quand t'es tout seul, parce que du coup, t'as toujours autant d'ennemis que pour deux qui apparaissent. Donc, c'est pas easy, easy, quoi. Il y a des vagues avec des ennemis qui sont plus durs que d'autres aussi. La vague précédente où les espèces de gros extraterrestres, enfin poissons avec des tentacules qui invoquent des machins qui lancent des épées, c'est très difficile. Et Chobiti a pris un perso qui a très peu de PV, donc qui est pas facile à gérer aussi. 30. J'arrive pas à taper les armes quoi. Ah et putain les autres qui me chargent en plus. Ben. Allez, il faut bouger, hein. Faut pas rester en ligne droite parce qu'ils vont me charger. Voilà. Et bah, c'est l'échec. L'échec, c'est l'échec. Bah, du coup, je vais te montrer, tu vois, Sobeka, t'as tout ça comme perso. Au début, tu les as pas tous, tu les débloques au fur et à mesure en faisant des hauts faits, entre guillemets. Mais y a de quoi avoir plein de gameplay. Ils ont tous des capacités différentes qui sont vraiment très très différentes et qui changent complètement ta manière de jouer. Bah écoute, je reprendrais bien le vagabond ou le marin, j'ai testé le marin encore. Vous pouvez équiper que des armes de grade 2 ou plus. Pourcentage de chance de critique est plafonné à 20, votre esquive est plafonnée à 20, les modifications de récolte sont réduites de 100%. Ouais bah écoute, on va tester lui, tiens. Et on peut jouer jusqu'à 4, ouais, avec. Alors pas avec le DLC, parce que la mise à jour coop est gratuite. Donc t'as même pas besoin de DLC. Et on peut jouer jusqu'à 4.
En gros, un clavier et trois manettes, quoi. Allez, un manchot. Ouais, je me souviens que t'avais bien aimé le manchot. Du coup, faut choisir son arme, chouchou. Chouchou, qu'est-ce que tu veux? La corne de licorne. La corne de licorne. C'est forcément l'Ocas OBK, mais avec le Remote Play Together, tu peux jouer avec d'autres personnes. Mais par contre, vu que c'est un jeu qui aime pas trop les latences, enfin, il faut que tu sois au taquet, quoi, quand il y a les ennemis qui te foncent dessus. Vaut mieux que celui qui est le jeu, il ait une bonne connexion et un bon PC, je pense, pour pas que ça lague. Mais sinon, ça doit fonctionner en Remote Play Together avec Steam. Brief. Et là, tu vois, on est en niveau de difficulté 0. Après, il y a le niveau de difficulté encore plus élevé où t'as beaucoup plus d'ennemis, ils ont plus de vie, ils ont plus de dégâts, etc. Et t'as des gens qui, comme Squash Bash par exemple, qui essayent de terminer le jeu avec tous les mecs en difficulté 5, ça te prend quelques heures, quoi. Alors, le lance-roquette. J'ai pas de malus, hein, je peux juste prendre. Oui, j'ai qu'une seule arme, c'est tout. Faut ramasser des matériaux pour celui-là. Ouais, on va le prendre. Du coup, faut que je fasse gaffe, parce que j'ai plus le hameçon. Du coup, qui fait de la. Des mines. Oui. Même ça, je me dis, on est suffisamment tôt pour que. Oui, bah, surtout que tu peux porter qu'une seule arme, donc tu vas pouvoir monter des trucs. Hein. J'aime. Paul de vie. Paul de vie. Hop, on prend ça. Et c'est bon. Et alors après, t'as plein de petits concepts dans le jeu, tu vois, par exemple. La plupart des armes ont un type précis, élémentaire, la médiévale, la navale lourd. Et en fait, plus tu as des armes du même type, tu peux en avoir 6 en temps normal, après ça dépend de tes persos. Plus tu as des armes du même type, plus les bonus se cumulent. Hein. Donc ça te permet de construire des builds, d'axer ton perso. C'est pas mal le tromblon naval là. Hein. Hein, franchement, il y a Vampire Survivor qui a vraiment relancé le genre des bullet hell. Et Brotato, c'est quand même. Ils ont de très très bonnes idées, quoi. Il faut que je regarde, d'ailleurs, j'ai pas de malus. Hein. J'ai quoi? Mon esquive est plafonnée, ma chance critique est plafonnée, les modifications de récolte. Ok, très bien. Le reste, je peux prendre. Le canard bloqué, la chance on a dit. Non, la chance de critique, donc je peux prendre de la chance, ok très bien. Hop. Le tronc blond à spaghetti d'Albert. Je n'ai pas cette référence pour le coup. Moi je préfère le lance-patate. Ah le lance-patate est très bon. Ou l'oblitérateur aussi. Bah, tu l'as eu en choix ce matin, je crois. Ah oui, si, je me souviens. C'était pas du tout dans ton build, donc tu l'as pas pris. On a défoncé le Molin. Je fais 200 de dégâts dessus, donc ça fait plaisir. Ah, j'ai pas eu le temps de le tuer. Dommage. Ah, Albert, le 5e mousquetaire. Ah oui, alors là, j'avoue. Tac. Ça joue sur la mêlée, ça? Ouais, ça joue sur la mêlée. On a un peu de mêlée. On peut le prendre. Gardez le sac. Ça c'est arme à feu, donc non du coup. Pingouin, j'aime bien le pingouin. J'ai eu les deux, quoi. J'ai fait une randomisation, j'ai perdu une stat, je n'ai gagné. Ah bah ouais, c'est la jeu.
Alors ça va, les années 90, ouais, j'ai dû regarder ça sur BK, mais c'est vrai que j'étais pas très télé, moi, j'ai jamais été très télé. Mais oui, tu me dis Albert le cinquième mousquetaire, je vois ce que c'est. Comme ça, vous commencez à résister à mes coups. J'aimerais bien voir ça. Après, on a des manières de jouer qui sont très différentes aussi avec Choubiki. Moi, j'aime bien tourner autour des ennemis pour les taper. Elle fonce dans le tas. En ligne droite, elle les défonce. PV là, il fait plaisir. Ah, encore une encre, ça c'est cool. La lunette bouffe. Ouh, on va combiner une encre pour la devenir violette. On va doucement monter mon ingénierie si je continue à trouver des tourelles. Et surtout qu'elle a pris le manchot là, donc le manchot il peut avoir qu'une seule arme. M'a encore piqué un PV! Ah, bah c'est 10% de chance hein. J'ai choisi de randomiser en même temps. Mouahaha, je suis un petit marin, loin de chez lui. Moi j'ai qu'un brache. Il a des belles oreilles par contre. Et puis tu aurais le petit singe mignon? Des oreilles de tentacule mignon. Non, de petit singe mignon. On n'a pas eu de panda non plus. Oh mais le panda il est rouge. Si je l'ai eu... Ah ou c'était hier soir, je sais plus. Il y a un cadeau. Voilà. Chaos. Et en haut. Oh, deux caisses, bien joué. 20 de portée. Bon, c'est gratuit, on prend. La chance, on prend. Alors ma vitesse est capée. Mais bon, je peux quand même la monter un peu. C'est quoi que tu peux pas prendre? Bobine. 5 de poussée plus 1 de dégâts pour les 1 de poussée que vous avez. C'est que sympa. On va prendre. C'est pas ouf. Oh, t'en as une jolie casquette. Arrêtez de me poursuivre, sale bête. Tap tap, tes encres là. La vitesse d'attaque, c'est quoi qui est capé? C'est la récolte que je peux pas prendre, et c'est la chance critique et l'esquive. Je peux prendre un peu de vitesse d'attaque. Ah, la fée, ça c'est cool, la fée, j'aime beaucoup. On va prendre ça, on va verrouiller ça. J'ai une main plus. T'as amélioré ta griffe? Oui. Mais elle est pas encore rouge. Pas mal déjà. Elle est violette. Alors il va taper les lampes froides quoi. Ça c'est beau. On se calme, on se calme.
petits fruits, c'est toujours plaisir. Bonne récolte, et ma vitesse est capée, donc on va randomiser. Ah, de l'armure, allez. Vendu pour de l'armure. Test d'attaque, il n'y a peut-être pas besoin de booster. Hein. Bah, je sais pas, c'est combien. 199, ah oui. Effectivement, c'est peut-être pas nécessaire. De critique 5 d'esquive, c'est pas trop pour moi ça. Ouais, non, ça c'est nul du coup pour moi. Ah, le support à la communauté, c'est pas mal. Hein. La limonade aussi. Il m'a encore fait faire un. Quoi ? Tu m'énerves, saccadé. T'es censé me donner un peu de chance là. Là c'est nul. Ah, oui, j'avoue, 1 pour 3, hein, c'est pas ouf. Ouais. C'est gratuit de randomiser. Oui, parce que je viens de prendre un lapin. Y a un lapin. C'est les 9. Voilà, on les tue, on en parle plus. Alors, est-ce que tu vas survivre cette fois? Si je me perds pas, oui. Ah, les coups d'encre, ils aiment pas ça, hein. Ça leur fait mal. Hein. Il y a deux pondeurs là. Hop. Voilà. Un pondeur, je crois. 9. Voilà, il n'y a plus d'œufs. Ah, c'est plus simple quand il n'y a pas les. Les machins qui balancent leurs épées en masse. Hein. Je veux dire aussi quand il n'y a pas les plus de 250% de PV aux ennemis. Oui, ça joue aussi. C'est sûr. Intéressant pour le coup. J'ai quoi, 24 PV, 14 de régime. Je pense que je vais prendre le PV un peu. Les dégâts du coup. Oh, je suis censé avoir un peu de malédiction là, avec ce que c'est le bordel. 5% de chance d'être maudit, ouais, c'est pas ouf non plus. J'avoue. Ah, une encre. Elle beauf. Pourquoi pas, et ça pourquoi pas. Si c'est pas si mal. Tu le sens si je prends la part? Bah on verra. C'est pas la vague 9 déjà, donc c'est déjà ça, mais. On verra. Voilà. On va se prendre de côté. Tu traces ta route aussi, non? Toi qui me balance des épées dessus, là? Non, meurs. Je trouve que c'est pas moi. C'est nul, on va prendre l'armure du coup. Oui, ça on prend, on randomise, on a eu un cœur gelé, 8 de dégâts élémentaires, 5 chances de critique. Les dégâts des armes sont également affectés par 10% de dégâts élémentaires. Ouais. C'est pas si mal parce que 8 ça fait quand même... Faudrait bien les PV, on se...
Aussi, on va le mettre de côté. J'ai un peu de thune. Est-ce que je joue à... Est-ce que tu joues à randomiser? Ouais. Écoute, si tu veux des ces objets précis, y'a rien de tel, hein. Ah, c'est vrai que du coup, oui. T'as ce léger détail. Je te l'accorde. Hermès, t'arrêtes pas de monter et de descendre. Un moment, ça serait bien de te décider. Hein? Est-ce que t'es petit et mignon et doux, ou est-ce que t'es petit et mignon et doux? On va savoir. Est-ce qu'il est petit, mignon, doux et chiant? Ah oui, il y a les requins. Les requins. Ouh, les enfoirés, on va parler de là. Et ça serait... Ils sont rapides, hein, les corneaux. Pas le temps de les taper avant qu'ils me chargent. Il n'y a pas de feuille, hein, que je vois sur la map. S'il y a un jardin là. Hop là. 10. Hop. J'ai pas eu le temps de tuer celui qui était mollé. Les chances de critique, la récolte, non, tout ça c'est nul. Les PV. Elle est vendue pour les PV. Et t'as des croquettes en plus. Aucune raison de faire conjoint. Oui, bon, je vois peut-être pas le fantôme bizarre non plus, quoi. Allez, on va essayer d'économiser pour le cœur gelé, tant qu'à faire. Prends des dégâts élémentaires, ta griffe. Non. Comme ça. PV. Bah oui. La franco, toi. J'ai besoin du... Du fruit. Un truc qui explose quand tu parles de PV. Des explosions autour de toi. Est-ce qu'il va les caper, on est d'accord. Voilà, ça sert à rien ça. Hop. Un peu de chance. Bébé avec une barbe. Bah ouais, pour toi visiblement, c'est pas trop le trip. Ah bah regarde le panda. Alors 12 PV max, 25% de chance. Caisse de loup, 10 dégâts alimentaires, 20 de chance. C'est mieux. Oh, déjà, il fait que c'est. Du coup, on a plus tant de ça. C'est ça. C'est vrai, c'est les consommables qui explosent. Et ça aussi. Mais ça, c'est des dégâts, c'est pas d'explosion. Bon, 2 de régène. Sur le feu 0. On va perdre 2 PV. Je pas du contraire. Ça en prend. Ça en... Bon. Le pignon, bah oui. Bah oui, t'as du hall de vie. Le randomise, ça m'a rien fait. Oh, marteau à plasma. Alors j'ai pas du tout monté l'élémentaire, mais... Mmh. Reviens là. Ton tir.
Hop, on prend quelques fruits bonus pour booster la régène de PV en cas de besoin. Oh, ils m'ont eu 20. Non. Pourquoi tu le laissais? Tapez-moi ces requins. GG. Tu voles de vie. J'en ai peu, ouais, mais quoi. Rien. Non mais de la vitesse d'attaque j'en ai toujours pas besoin. D'autres chances pour toutes les chances critiques que vous avez. Ben non, ça me sert à rien. J'ai pas de chance de critique, je suis capé. Oh, tu me donnes ça. L'armure. Bah oui, tu en plus t'en as consommé avec ton piquant de verre. J'ai pas encore mangé. Je vais manger là. Ah bon, bon, ça non. Et ça du coup, ça me donnerait un régime. Pas bien d'avoir quelques armes là. En avoir moins 5 de vitesse. Combien de vitesse? 4. C'est nul. Tromblon, ça me ferait plaisir un petit tromblon. Toi aussi, ça te ferait plaisir un petit tromblon. Bah, moi j'avoue que c'est des PV qui me feraient plaisir. Hein. Enfin, du vol de vie en fait. Ah, les morses. Les gros tas. Ouh, ils sont costauds, hein, la vache. Ils résistent même à un tromblon. Quel maintenant clochard ici à grimper. J'avoue qu'il faut leur donner plusieurs coups. Ouais, ils sont un peu énervés. Hein. Oh ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie. Oh, tout ça. Et les noix là. Ah, je me suis pris un narval. 10 minutes, 10. 10 minutes, ça c'est un peu long. Hein. Nettoyer un peu ça, là on va passer en périphérie. Cogne. Voilà. Oh, hameçon. Bah oui, carrément. DPV. Un autre hameçon. Ah, chouette, une griffe. C'est nul. Ça, c'est pas mal. Yeah. Bon, bah, du coup, on va essayer de verrouiller. Oh, putain, l'épée. Enfin, non, je peux pas prendre ça. C'est trop nul. Mais je vais la verrouiller, je pense. Un trident. Ah, moins 2 de vol de vie. C'est quand même cher payé. Ouais, mais non. Je peux pas faire une griffe 4 avec ma griffe 4? Une griffe plus plus, bah si, si te la prends. Je peux pas. Non, tu peux pas. Bah. Bon, t'as aucun intérêt à rendre de musée, non, t'as plus de sous. Je regardais. De toute façon, c'est pareil, j'ai aucun intérêt à la. Bah si, pour tester. Bah, mais peut-être qu'avec ce perso-là, ça serait possible. Mais je crois que non. Les petits kraken. Donne les fruits. Donne les fruits. Pas de bête. Sorte.
Bien joué. Ah oui, carrément. La sagesse, c'est pas mal. C'est gratuit, donc on va prendre. Ça fait de la régène avec la fée. Ah oui, la sagesse, c'est pas mal. Des PV max. Hein. Oh oui, ils ont tous été maudits. Excellent, on trouve. Voilà, maintenant tu sais. Le jetpack, 15% de vitesse, 10% d'esquive. C'est les deux trucs qui sont... Ils sont capés chez moi, donc pas très utile. Oui, fantôme bizarre. Ah, non, remarque pas la vitesse. Je vais peut-être pas le prendre, le fantôme bizarre. On va peut-être le prendre. Ça, on va voir. Ça, non. Le diplôme. 10 d'ingénierie, 50% d'XP. Vague 16. Ouf. On va bien prendre les menottes, mais 48 PV. Bah, tu peux le garder jusqu'à la fin, quoi. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. 4 vagues, tu le prends juste avant le boss. Des blobby. Et toi elle aussi. Je crois que c'est le plus loin qu'on a été là, ceux-là. Quand il y a les grosses saloperies à trois têtes qui sortent là. Elles sont longues à sortir, mais alors quand elles sortent, elles piquent les fesses. Et tu l'as. Sortir. Allez, allez. Ah, c'est bon. Je charge. On a plein en attente là. Bien joué. T'as réussi à t'en faire une et je me suis fait l'autre. Et non. Allez, c'est la première fois qu'on va passer cette vague. Bien joué! Ça sert à rien, mais on va le prendre. Oh, petit robot! Alors, le jetpack maudit, 23% de vitesse et 19% d'esquive, on cap direct, quoi. Et 29 de portée, bah go. Je trouve ça vaut le coup, la tirelire, vague 17. Ça, en vrai, juste pour la régen, ça vaut le coup. Je gagnerai jamais 120 PV. Non. Quand, un peu d'armure, quoi qu'en vrai, les PV, ça me fait bien. Verrouiller, parce que quand même... C'est pas facile, hein, de... Ah. Bah oui, du coup, on les connaît pas, ça. Vous êtes mignon. C'est vraiment le mot que j'aurais utilisé, mais... Ceux qui font des épées et ceux qui tirent, ouais, bah voilà. 40 secondes à tenir. Oui. Le jetpack qui va faire plaisir. Heureusement que je l'ai pris. Cette bête de normal. Tap tap. Oh putain, il y a des coups dans tous les sens. 15. Les tirs de partout et les fruits là aussi. Et... 5. Les fruits. GG. Wouah, c'était chaud hein. Merci Sobeka pour le GG, je crois que c'était pour la vague d'avant. Rien de tout ça. Ça, je peux prendre le canon de verre sans me sentir coupable. Ça, c'est plus le moment. 5% de vitesse, non. Alors, la barricade maudite. Ça me donne de la poussée. J'ai un truc avec de la poussée, là. 1% de dégâts pour toutes les 1% de poussée. Bah ouais, go. Et ça, 30 fois de chance. On va verrouiller. Et ça, on va verrouiller. Mais ça marche aussi pour celle-là, du coup. Je crois que toutes les vagues, on peut caler un GG, en vrai. Parce que mine de rien, elles sont quand même bien énervées. Hein. Lève-toi.
Les bouquins. Ils aiment pas les requins. Pas les bouquins, c'est toujours eux qui me tuent. Il va sortir là, tu veux? Oui. Ça va coûter un peu cher, mais. Ah, rien, donc je vais pas réussir la vie. Non, je vais pas aller. On va devoir se concentrer un peu sur la vie. Il y en a un qui est... Waouh, le triple tireur qui sort juste à la fin là. Le bébé calamar, c'est trop tard. J'aimerais bien des arbres. Ah oui, parfait, c'est trop blanc. Juste avant la dernière vague, on va essayer de ramasser un petit tromblon de plus. S'il peut être maudit en plus. C'est en moi. Ouais, je pense que tu peux t'arrêter. Pourquoi le coup, je ne sais pas, mais... Bah, parce que comme ça, mon objectif, on va sans la prochaine fois. On va peut-être acheter deux objets pour la dernière vague, vu d'un seul. J'avoue que la dernière vague, c'est pas forcément le plus rentable, mais... J'ai essayé de survivre à cette vague, hein. Ouais. Faire d'un coup. Ils sont vénères encore. Aken, là, on arrive à les éliminer un peu, voilà. Les épées de plein fouet. Oui. Allez, t'as deux caisses, faut survivre, je te dis. Bah oui. Ouais, on prend, ouais. 20 chances, non plus maintenant. Non. Le reste, c'est pas ouf. Je vais prendre l'armure. La vitesse, non. L'esquive, non. La vitesse, si, la vitesse, c'est pas capé. Donc on va prendre la vitesse. Allez, vendu. La vitesse. Le tromblon, il est pas maudit, tant pis, mais on prend le tromblon. Le reste, on prend pas. On va quand même randomiser au cas où. Ah, dommage. Vitesse, on peut me permettre. 294, ouais. Et je recycle ça, ça fait 37. Non, les armes qui tombent sur la dernière vague, quoi. Donc là, tu vois, Sobeka, on est à la fin de la... On est sur la dernière vague, donc alors le boss. Mais on pourrait choisir de continuer de jouer après, passer en mode sans fin. Et du coup, en mode sans fin, tu joues jusqu'à ce que tu meurs, mais régulièrement, t'as des boss, des élites, etc. Là, j'ai pas assez, hein. Il faudrait 400 pour prendre ça, plus ça. Par contre, je peux prendre le poisson et les meutes. Effectivement, ça va te faire un... Ah, pas mal. 10 dégâts élémentaires et 3 structures en même temps. Ok. Pourquoi pas. Tu dois te décider avant de lancer la vague, ouais, tout à fait. Tu peux aussi le choisir dès le début d'ailleurs de la partie. Ok, donc ça c'est le premier boss qu'on voit. Oui, c'est... Et il est pas gentil. Non, je dirais essayer de survivre. Donc après, il y a deux manières de gagner la vague. Si on arrive à tuer le boss, on a des bonus. Et si on arrive à survivre, même si le boss a encore en vie, on gagne quand même. Ah la vache. On va ramasser quelques fruits, ça va booster un peu notre régène, parce que là, il va falloir... C'est un peu mou, hein. Si tu veux venir m'aider, c'est quand tu veux. Hein. J'essaie de survivre. Oui, bah tu te retournes, tu tournes autour de l'ennemi, du boss, en tapant quand même. Oh, il fait des trucs qui tournent, plus c'est rond là. Oh, autre PV, ah non, je suis mort. À
maintenant tu vas voir le boss qui va te taper dessus, c'est plus la même. Non. Bon ouais. Bah là on a perdu, tu vois, donc on va débloquer des persos parce qu'on a réussi les objectifs des persos. Comme les deux succès qu'on a débloqués. Mais non, malheureusement, non, le boss il faut se focus dessus. Alors qu'est-ce qu'on a débloqué? Le technomage, on commence avec deux tourelles. 5% de vitesse d'attaque de vos structures pour tous les 1 dégâts élémentaires, ok. 2 dégâts élémentaires pour toutes les 1 structures, ok. Plus 75 d'XP pour monter de niveau. Pas de modification de dégâts en mêlée, pas de modification de dégâts à distance. Ok, donc tu t'appuies sur tes tourelles pour faire mal, quoi. Et là, l'ogre. Les ennemis qui reçoivent le double de leur santé maximale en dégâts explosent pour 51. Ok. Mais comment on fait pour faire... Bah, faut les taper plus fort que... Ouais, faut réussir à les taper avec du critique ou des gros dégâts. Ok, pourquoi pas. Ok, bah écoute, du coup, on va arrêter l'épisode de VOD là, je propose. Oh oui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez dire un petit au revoir à la VOD, c'est le moment. Bah, c'était presque sous BK, mais c'est comme ça. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.